Mes chers amis, imaginez que vous ayez une cartographie qui vous indique un petit peu en permanence où est-ce que vous en êtes sur le plan de votre état physiologique. Okay ? Imaginez que par exemple, on ait un axe vertical dans lequel on met en haut haute énergie, c'est-à-dire quand vous avez le palpitant, la respiration comme ça qui ont tendance à s'accélérer parce que vous êtes dans des états internes plus dynamiques ou au contraire, des états internes beaucoup plus relâchés, posés, tranquilles. Donc ça, ce serait un premier axe. Et puis on en aura un deuxième qui serait un peu les états un peu déplaisants, comme par exemple me sentir en colère si je suis plutôt en haute, ou au contraire un peu dans la tristesse. Et puis de l'autre côté, une cartographie faite d'états qui seraient plus posés mais plaisants, hein, par exemple la détente, le calme, etc. Et en haut, au contraire, des états plus positifs, comme par exemple l'intérêt, la curiosité, l'enthousiasme, la passion. Et d'être un petit peu plus acteur ou en tout cas en conscience des modalités sur lesquelles vous êtes. Par exemple, vous pourrez être sur un facteur de 0 à 5, on serait plutôt en bas, ou alors de 5 vers le bas, hop, on pourrait partir de 0 au centre, aller vers le moins 5, ou de remonter vers le plus 5, et puis aller vers le plus froid ou le plus chaud. Et on aurait une espèce de cartographie dans laquelle moi je vous invite à entrer pour être un peu plus conscient en fait, des états dans lesquels vous êtes au cours d'une journée, avec une relation donnée, dans votre travail, dans votre management, en relation avec vos enfants, quand vous vous réveillez le matin. Vous voyez, c'est d'associer en fait en quelque sorte à des contextes réguliers la conscience de l'énergie dans laquelle vous êtes avec un niveau de subtilité plus fin en fait, juste pour ressentir davantage les choses et du coup d'être plus en conscience eh bien de l'état physiologique, de l'état d'énergie dans lequel vous êtes. Voilà, je vous invite à expérimenter ça et puis au plaisir bien sûr de vous retrouver prochainement pour une nouvelle petite clé. Merci à vous.